réunis aujourd'hui en conférence de presse. Et c'est pour parler de la 6e édition du Forum Galien Afrique, qui est un forum scientifique, une plateforme d'échange entre Africains, pour les Africains et pour l'Afrique. Bien sûr, nous sommes ouverts à toutes les personnes, tous les experts qui ont une expérience en Afrique, qui comprennent notre contexte et qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Il y a également, en plus donc de ce forum, il y a un prix, le prix Galien Afrique, qui est aussi vraiment à la base de beaucoup d'avancées sur notre continent. Et ce que nous voulons là, c'est primer des chercheurs qui ont fait des découvertes qui sont connues ou qui ne sont pas encore connues en matière d'innovation, mais que tout cela soit au service de l'Afrique et des Africains. Bien sûr, nous voulons que ce forum soit un forum important, pas simplement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique d'une manière générale. Et la thématique que nous avons choisie cette année, puisque chaque année il y a une thématique, ce sont les maladies non transmissibles. On a beaucoup parlé des années antérieures de Covid ou autres, mais il faut qu'on se rende à l'évidence. Aujourd'hui en Afrique, il y a une épidémie silencieuse, une épidémie rampante. C'est une épidémie des maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires en général, les AVC, les problèmes néphrologiques, donc du rein, les problèmes d'addiction. Il y a énormément de choses qui sont liées, la plupart du temps, il faut le dire, à un comportement qui a été à l'origine de ces maladies. Et il s'agit souvent de déterminants de maladies qui sont des déterminants multiples. En réalité, là, on parle vraiment de santé. Il s'agit de ce qui amène à la maladie et comment faire pour maintenir aussi la bonne santé. Et là, nous avons ce que nous mangeons, nous avons si nous fumons ou pas, nous avons aussi le sport, l'activité physique d'une manière générale. Donc beaucoup de choses, le fait qu'on fume, voilà des choses qui font qu'au bout, peut-être plusieurs années après, on se retrouve avec des pathologies comme celles que je viens de citer. Donc voilà un peu la thématique que nous avons cette année. Et nous avons un prix aussi. C'est la troisième fois que l'on propose ce prix-là. Et tout cela est fait sous le patronage du président de la République qui a vraiment accepté que ce Galien, d'une manière générale, le forum ou le prix, se fasse au Sénégal. Et il nous a donné vraiment l'infime honneur de gérer ce forum et ce prix. Et je suis là avec des collaborateurs qui sont tous spécialistes dans leur domaine, mais qui aujourd'hui interviennent au niveau du Forum Galien, soit comme partenaire, le ministère de la Santé, soit membre du comité scientifique international, soit membre de ce qu'on appelle chez nous la Task Force Galien, puisqu'il y a des personnes qui travaillent depuis plusieurs années pour que nous puissions faire et un forum et un prix qui soit à l'honneur du Sénégal, mais à l'honneur aussi de l'Afrique.